Il dit, il faut partir à Abidjan là. Tu es parti déposer là-bas en paix. Il dit, d'accord, tonton, il est parti déposer à Abidjan. Donc, il m'a donné 20 000 francs. Il dit, ah, tiens, 20 000 francs là, tu as boire de l'eau en route. J'ai pris 20 000 francs, j'arrive à la gare, j'ai payé l'eau 20 000. L'eau est payée là. Il dit, l'eau est payée là, ça fait 4 vautros. Moi-même là, je me demande, je dis, aïe, mon oncle, il a pensé à quoi? Au pire, il dit, je n'ai qu'à payer l'eau 20 000. Il dit, les vautros là, elle m'a suivi avec l'eau là comme ça. On arrive dans Dakar là. On arrive dans Dakar là, je dis, ah, j'ai, mon bagage là, c'est petit comme ça. Elle me demande si tu as l'autre bagage. Je dis, oh, je n'ai pas l'autre bagage, c'est de l'eau. On a quand même l'eau là-dedans. Il dit, quelle eau? Je dis, ça qui est là, là. C'est mon oncle qui a dit, je n'ai qu'à payer pour boire l'eau sur le roux. L'eau, 20 000 là, 4 vautros. Elle me dit, bon, l'eau là, ah, le chauffeur me regarde, après l'eau aussi me regarde, il dit, l'eau là, ça fait 30 000. 20 000 francs pour payer l'eau, 30 000 pour transporter. Au pire, en plus, ils ne vont pas mettre Dakar là, en bas. À quel moment il y a boire? Donc Dakar là, moi je l'ai dit, tout ce que j'ai pu dire, je dis oui. Et puis elle est assise. Donc j'avais 1000 francs seulement, 1000 francs, j'ai déjà bicyclerie. Mais j'ai pris gros cœur, femme comme ça là, prends gros cœur. J'ai pris gros cœur, j'ai dit barman, s'il vous plaît, misque, un cyclerie. Elle a pris cyclerie là, et puis elle est en train de bu, j'ai 1000 francs seulement. Si elle a fini de bise là, elle va demander encore. Donc j'ai bavardé beaucoup avec lui, beaucoup. Donc maintenant elle me dit, bon, voilà, là où je suis venu te voir là, il y a mon gars, il me fatigue. Il me fatigue trop. Donc aujourd'hui là, je ne veux pas qu'il me fatigue encore. Je sais qu'il me suit. Quand il va venir ici là, il faut lui dire que lui et puis moi là, c'est terminé. Que toi avec moi, désormais ici avec toi, donc, il faut prendre gros que tu le parles. Que désormais ici avec toi, donc là où toi et moi on est là, on est en train de préparer le mariage et d'abord même vendredi prochain, tu vas aller me doiter. Il faut lui dire ça. Ah, avant de faire mariage là, c'est pas droit d'abord. Donc tu vas aller me faire ça. Je dis, ah. Il n'y a pas de problème. Non, quand Dieu veut faire ton palabre là, il ne faut pas te déshabiller. Pas moi, mais je voulais appeler, c'est venu. Le projet qui était dans ma tête, elle a tout éclairé. Donc on est là, on boit. Moi, mais j'étais pressé qu'elle n'a qu'à finir la boisson là-même. Donc, arrivé un moment, j'ai en train de boire. Je dis, est-ce que vous avez fait ce E2 où on dit, la femme a pris 7 petits cailloux et puis il a transformé, c'est devenu l'homme là. Je dis, ceux qui sont rentrés dans les bars là, ils sont gros, gros comme ça. Malgré qu'ils sont rentrés comme ça, mais ils serrent, s'ils portent là, ils serrent. Ils sont rentrés comme, ça. Moi, mais je le claque. Et puis, ils loupent comme ça. Et comme ça, la sonnette dans la porte. Donc, moi, j'étais assis là. Et puis, en fait, d'ici, il y avait femme. Donc, ça, là, ça ne m'intéresse pas trop. S'il veut, il n'a qu'à lutter, il n'a qu'à s'asseoir là-bas. Donc, arrivé un moment, moi, je pensais qu'ils sont en train de cesser place. Il vient vers moi. Et puis, il connaît le dos de sa femme. Où. Il est venu, puis il tape dans le dos là. Pa, pa. Il dit, toi là, j'ai essayé de blé. Tu fais quoi ici? Et puis, il fait ça. Siri, Siri. C'est à ça la moine qui a parlé. Il n'est pas venu seul, ils sont sept. Elle dit, Siri, donne-lui le programme. Il dit, mon pouce, la mot ne sort pas. Je vais parler, mais ça ne sort pas. Et puis, le monsieur, il vient vers moi, il s'abaisse mon tabou. Tu dois me dire quoi? Il dit, qu'elle a dit, tu dois me dire quoi là? Moi, mais j'ai senti, non, quelque chose s'est passé dans mon dos. Car c'est mon âme qui a été lutté avec moi, comme ça. Il a été lutté avec moi pour sortir. Et puis il va me lever. Il sent un froid. Déjà quand les gens disent, je sens un froid là. C'est ça. Je sens un froid dans mon dos comme ça. Je ne sais pas. Tout a commencé à se concentrer sur moi comme ça. Et puis, mon âme est sortie. Il est... Quand il est sorti, il est parti à la maison. Et il m'a laissé là-bas. Moi, ici, dans mes gros bras là, il me pose question. Il a pris âme dans mon dos, je ne parle pas encore. Il fait ça, regarde-moi ça là. Le gros bras, il fait ça. J'ai pensé que c'est avec bon homme qui me trompe. Regarde, c'est ça là. Ça, c'est garçon ça. Je ne sais pas dans quel coup j'ai eu force. Je me suis levé. Je s'en vais à la maison. J'arrive à la maison. Dans sa heure là, je vois mon âme, il est assis là-bas. Et puis la colère qui est tombée. Il a collé son pied comme ça et puis il me demande, tu as fait comment pour venir?
J'ai dit, même chose que tu as fait pour venir ici. Là. C'est même chose que tu as fait pour venir ici. Et puis toi là, parce que quand tu es sorti là, tu vois les nouvelles maisons ailleurs. C'est la même maison que tu viens. Tu as la chance, demain encore, je te prends pour partir encore.